Le vent a tourné. Fin mars, un nouveau nom s'est hissé en tête du classement des royaux préférés des Britanniques. De son vivant, si est-il la reine Elisabeth II qui avait les faveurs du public, avec une cote de popularité à 79% en 2022. Elle était suivie par sa belle-fille, Kate Middleton, qui récoltait un taux honorable de 68%. Fin mars, la société internationale YouGov a publié les résultats d'un nouveau sondage sur la famille royale, et si est-il désormais le prince William qui se place en tête du classement. L'héritier a en effet récolté 72% d'opinions positives, suivi de près par son épouse avec 70%. Mais la princesse de Galles n'est pas la seule à occuper la seconde place, en effet, la princesse Anne, qui jouit vraisemblablement d'une certaine popularité auprès des Britanniques, a obtenu le même score que Kate Middleton. Le roi Charles l'étalonne avec 63% d'opinions positives, suivi du prince Édouard avec 58% et de la reine consort Camilla, qui récolte 48%. Le prince Harry reçoit un soutien plus timide des Britanniques, avec 25% d'opinions positives, tout comme Meghan Markle qui stagne à 22%. Sans grande surprise, le prince Andrew arrive dernier du classement, avec tout de même 7% de votes positifs le concernant. Regain de popularité pour les Windsor d'après le sondage, Charles, Camilla, William, Kate, Harry et Edward ont tous légèrement gagné en popularité entre janvier et mars 2023. Si est-il le prince Edward, récemment fait duc d'Édimbourg, qui affiche la plus importante remontée dans les sondages avec 4 points. Meghan et Andrew, eux, maintiennent un statu quo. Quant à Anne, elle perd 2 points, mais reste dans le top 3 des favoris.